Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va nickel les mecs, on se retrouve en ce jeudi pour une vidéo rétrospective un petit peu des deux derniers jours de live pack opening avec au programme les fameux 83x10, les packs campagne, mais surtout un pack inattendu les gars. On était en train de regarder tranquillement la LDC hier, je faisais mon petit grind habituel de recyclage, j'ouvre un 83x2, plutôt un 80x2 pardon, et là boum. La dinguerie les gars, je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez voir, parce que je vous ai forcément montré dans la vidéo ce que j'ai eu. Meilleur joueur paquet de cette année, rien que ça, ça fait bien plaisir, en plus c'est un attaquant les mecs, donc du coup je vous laisse regarder tout ça les gars. Bon visionnage. Ça y est, les premiers crédits IFC 24 Ultimate Team sont disponibles. Si tu veux te faire plaisir dès le début du jeu, n'hésite pas à check la description et n'oublie pas le code AXOSKILL pour une grande réduction. Donc l'équipe avec laquelle on a joué hier, c'est celle-ci. On a fait de la Rivals hier, ça s'est plutôt bien passé. Le jeu est dur en ce moment, mais on a joué avec cette équipe. Il y a un joueur qui a disparu, et comme je vous disais dans l'intro, il y en a un qui va apparaître. Voilà! Bien joué ça. Voilà, ça, ça ressemble à du foot. Donc Cristiano, on va le vendre, j'attends. A savoir que là, j'ai vraiment vendu ce que je pouvais au maximum. J'ai gardé certains trucs vendables, mais j'ai vendu pas mal de choses vendables pour faire un maximum d'SBC. On a quasiment fini Balak, on a fini Depay. D'ailleurs, Depay, on l'a entamé hier, je sais même pas pourquoi. Pour le coup, vu le joueur que j'ai packé, oui, je sais pas pourquoi. Je ne sais clairement pas pourquoi. Allez, attention, 3, 2, 1. Il s'agit de... Marcus Rashford, les gars. Marcus Rashford, obtenu... dans un double 81, à un moment où je m'y attendais absolument pas. Et en plus, je savais, enfin je sais que ça, c'était le meilleur joueur de la promo Centurion, le meilleur joueur. C'est exceptionnel. Du coup, boum, dans l'équipe, sur ce Black Friday, c'est impressionnant. Mais je pense que c'est global. Alors le pire dans tout ça, c'est au niveau des notes dans les renforts 78, c'est tout le temps 84 que j'ai eu hier. Plus. Hein, à chaque fois, il y avait même plus. En tout cas, les gars, moi, j'ai hâte d'une seule chose, c'est de changer Kanté et de mettre la version radioactive qui arrive. Comme ça, normalement, tout le monde sera au collectif, vu que les cartes, elles donnent du col. Je crois qu'elles donnent deux bonhommes, les cartes. Deux bonhommes partout, pays, club et championnat. J'ai préparé quelques packs, du coup, avec ma motivation. Merci Rashford, hein, en grande partie, ça m'a donné envie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vidé un maximum ce qu'on pouvait vider. J'ai acheté des joueurs, j'ai ouvert beaucoup de renforts aussi. Ça m'a donné v'là les notes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou les renforts, c'est exceptionnel. On a du pack mix campagne, du pack icône, bon je vais en faire qu'un par contre. Ça sera déjà très bien. Les 10x83, vous les avez devant vos yeux. Et les petits double 80 qui m'ont permis d'avoir un magnifique Rashford. Bon allez les gars, on est parti. Avec du double 81. Ils vont nous donner à Raoro. Bon, évidemment, il était boost hier. Mais on l'a eu hier. On l'a eu hier. Ça, c'était en stream, les gars. C'est un truc de fou. Déjà, dans le premier, ça annonce la couleur, les gars. Allez, deuxième. Deuxième double 81. Argentin. BU. Martinez. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. On prend hein, les notes. C'est très, très bien. Hein. Allez, on mélange. On mélange. Allez, on voit de la note encore. Espagnol. DLG. Allez, Grimaldo, c'est pas mal. 84. Encore un truc correct, on va dire. À partir de 84, ça passe. Allez, un autre 84 derrière. Parfait. Oh, on est sur un bon choix, hein, sur un bon pack hier. On est sur un bon pack hier. Yesterday. Pack mix campagne 87+. Qu'est-ce que c'est? Belgique. BU. Openda. Mais c'est nul. C'est éclaté. Oh, c'est nul. C'est nul, on est d'accord. Hein. Mais il vaut ce prix-là, sérieux? Mais comment il peut valoir ce prix-là?
Je suis vraiment à côté de la plaque. Hein. Il est grave fort, ouais, mais ça me plaît pas. Après, moi, ça me parle pas, Openda, j'aime pas. Tu vois, limite, je préfère paquer Mahrez, hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. Et pourtant, Mahrez, il vaut 20 000. Bah, après, il est peut-être pas nul, hein, mais moi, j'aime pas. Donc là, on espère continuer ainsi. Allez, c'est parti. Pack mix campagne, on ouvre. Ah, anglais, DC. Oh non, on l'a déjà. Williamson, oh, c'est terrible. On l'avait eu, oh, je sais plus quand c'était, mais on l'avait eu. Doublon. Oh putain, ils font chier. Bon, vas-y, on va valider du coup le choix mix campagne. Putain, fait chier. Ça m'énerve. Les doubles comme ça. Bon, allez, les gars, choix RTTK, pionnier, centurion. Allez, Mbappé, montre-toi. Bon, on n'a pas trop besoin de lui maintenant. Bon, si, on a toujours besoin d'Mbappé. Alors, 86 de physique, grosse endurance, 69 de défense. Peut-être un latéral ou un milieu de terrain. 85 en dribble, 87 en passe, 82 en frappe. Ça, c'est un milieu de terrain. Ça, c'est un MC. Et ça va être... Oh, De Paul. Alors, De Paul, c'est hyper intéressant, les gars. C'est très, très bien, De Paul. Hein. Pas mal. On a deux pailles, en plus. On a deux pailles et deux Paul. Ouais, franchement, les gars, on est sur une bonne pioche, là. Hein. Ah, c'est bien. Non, franchement, c'est une bonne pioche. Les gars, on se fait les packs 10x83. Oh. Français. Gardien. C'est Chevalier. Putain, merde. Ah, je m'attendais à mieux. Putain, fais chier. Quand j'ai vu gardien, j'ai dit c'est mort. Ah, puis derrière, c'est vraiment nul. Hein. Derrière, c'est vraiment mauvais. Hein. Allez, il reste une carte spéciale et on valide la prédit Twitch, les gars. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a rien, dommage. Pas de carte spéciale. Après, peut-être, éventuellement, un boost pas bien noté. Ça peut cacher, mais la prédit, j'ai peur. Ah, on a la double anime. Alors, ça, c'est bien. Oh, Casemiro. Bah, franchement, sympa. Ouais. Il y a trois animes, les gars. Il y a trois animes. Par contre, Casemiro en double, fait chier, quoi. Bah, c'est vrai que je l'avais, Casemiro. On va accueillir Kang, les gars. Kang Idli. Bon, je sais pas. Hein. Faut voir que ce que le PSG fait. Hein. Mais c'est vrai que le PSG est en forme, en championnat. Donc, bon. Dommage le 3 de MP. Dommage le 3 de MP. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Je sais pas vraiment si je vais beaucoup le jouer, mais on sait jamais. Bon, si on pack Mbappé, on le joue. Les récompenses rivales vont juste me servir d'avoir des FODA, quoi. Donc, on a été faire les 7 victoires. Allez, pack Prime, c'est parti. Pack joueur Prime, brésilien, gardien. Oh, bah parfait, hein. Nickel. Encore de la note pour faire plein d'SBC. Magnifique, Ederson. Dernier pack, pack méga rare. Ah, il y a un truc. Mais ça va pas être fou, je crois. MC en... Ah, c'est World Pros, putain. Je me demande si je l'ai pas. C'est terrible, hein. Putain, les doubles, il y en a marre. Bah ouais, je l'ai déjà, putain. Bref, bah tiens, on va aller valider Balak. L'avantage des icônes, quand même, c'est aussi le collectif. S'il donne pas le call, je pense que je le fais pas. Mais c'est vrai que je voulais le faire, Balak. Ça fait depuis combien de temps qu'il est sorti en icône, Balak? FIFA 20? J'avais testé sur FIFA 20, j'avais bien aimé déjà. Il me faisait beaucoup penser à Gullit un peu. Bon, après, hein, n'est pas Gullit qui veut, hein. Gullit est 100 fois meilleur, mais bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao, les mecs, et merci d'être passés. Ciao, ciao, bonne journée à vous.